que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal exempte de souillure, car Dieu jugera le débauché et les adultères. Bien-aimés dans le Seigneur, le message prophétique de cet après-midi, la fidélité dans le mariage. Bien-aimés, moi qui vous parle, je n'ai jamais trompé ma femme. Je n'ai jamais souillé mon lit conjugal. Je suis fidèle à Dieu et fidèle à mon épouse. Sois fidèle, toi qui es infidèle. Bien-aimé, que tu sois serviteur de Dieu ou servante de Dieu, si tu es fidèle à ton épouse. Tu couches avec une autre femme, tu couches avec un autre homme, mais tu es dans le mariage. Tu es en train de souiller ton lit conjugal. Bien-aimé, tu es en train de tromper ta femme ou ton mari. Sache que le jour du Seigneur, bien-aimé, tu ne seras pas avec le Seigneur. Tu es une femme mariée, mais tu sors avec ton patron. Tu sors avec ton collègue de service. Tu travailles avec une servante, avec tu travailles quelque part. Ta patronne sort avec ton mari. Ma sœur, tu es au courant de cela, mais tu ne peux rien dire. Tu sors avec la femme de ton patron. Tu sors avec la jeune sœur de ton épouse. Bien-aimé, le désir de la chair, c'est l'enfer. La parole de Dieu déclare fuyez l'impudicité. L'apôtre par excellence, apôtre Paul a dit, seul je ne peux rien, mais avec le Saint-Esprit, je puis tout. Il est capable de te fortifier, de mener comme moi une vie de la chasteté. Exempte de souillir, être fidèle à Dieu, être fidèle à ta femme, c'est possible. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, bientôt Jésus revient. L'infidélité conjugale, Dieu déteste les infidèles. Sois fidèle à ta femme. Sois fidèle à ton mari. Mais si tu as quelque chose, tu as trompé ta femme, c'est pas question d'aller voir le pasteur et dire que j'ai trompé ma femme ou mon mari. Après avoir dit à ton pasteur que tu as trompé ta femme, tu dois aussi dire à ta femme que j'étais trompé. Si tu as trompé ton mari, tu dois aussi dire à ton mari que j'étais trompé. C'est ça le pardon. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Vous vivez dans l'adultère, mais tu dis que tu aimes ta femme, mais tu embrasses d'autres femmes. Tu dis que tu aimes ton mari, tu embrasses d'autres hommes. C'est pas la volonté de Dieu. Bien-aimé, que la grâce de la chasteté vous soit accordée. Je le déclare et décrète au nom de Jésus. Fouillez l'impudicité, fouillez l'adultère. Diaspora, beaucoup dans la palais, bas combattants, beaucoup dans la palais, bas congolais, aux hommes monde entier, dans cinq continents, mon kilo mobimba, vous abonnez dans Congo Dialogue, info à sûr, et vous faites ça ma solo, dialogue est sengi boyokani, dialogue est sengi bolingani, dialogue est sengi tosangana, bisonnier sur bas congolais, tous dans le monde entier, tous abonnés dans Congo Dialogue, info, et si vous avez un monde à moi, si vous avez une idéologie, facile en gamme. Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, le prophète surnaturel King Élisée Mulolo. Bien-aimé, chaque lundi, par la grâce du Seigneur, nous allons écouter le Saint-Esprit s'exprimer à travers l'homme de Dieu que je suis. Chaque lundi, c'est un programme établi par l'Esprit du Seigneur. Aujourd'hui, il y a un incident éternel pour chacun de nous. Ça concerne le fiancé, ça concerne le marié. Dans le livre de Hébreux, chapitre 13, le verset 4, il est écrit que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal exempte de souillure, car Dieu jugera le débauché et les adultères. Bien-aimé dans le Seigneur, le message prophétique de cet après-midi, la fidélité dans le mariage. Aujourd'hui, il y a des hommes infidèles ainsi que des femmes infidèles. Quoi qu'ils soient ensemble, mais l'homme trompe sa femme et la femme de même. C'est pourquoi le Seigneur a envoyé son serviteur de Dieu, le prophète surnaturel. Notre Dieu, c'est un Dieu fidèle.
Il est écrit dans le livre de 1 Jean, chapitre bien-aimé 4, le verset 17, « Tel qu'il est, tel que nous sommes. Bien-aimé, moi qui vous parle, je n'ai jamais trompé ma femme. Je n'ai jamais souillé mon lit conjugal. Je suis fidèle à Dieu et fidèle à mon épouse. Mais il y a des hommes de Dieu, il y a des servantes de Dieu, il y a des serviteurs de Dieu. Leur épouse n'ont pas le mot de passe de leur téléphone. Il y a aussi des femmes qui n'aiment pas que leur mari puisse toucher à leur portable. Il y a des choses horribles. Mais bien-aimés, le Seigneur nous a dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Sois fidèle, toi qui es infidèle. Bien-aimé, que tu sois serviteur de Dieu ou servante de Dieu, si tu es fidèle à ton épouse, tu couches avec une autre femme, tu couches avec un autre homme, mais tu es dans le mariage, tu es en train de souiller ton lit conjugal. Bien-aimé, tu es en train de tromper ta femme ou ton mari. Sache que le jour du Seigneur, bien-aimé, tu ne seras pas avec le Seigneur. Tu vas passer de l'autre côté avec l'ennemi, le diable, en train de pleurnicher tout éternellement dans l'enfer. Mais Dieu ne veut pas que tu sois dans l'enfer, car tu n'as pas été créé pour être dans l'enfer. Tu as été créé pour rester avec le Seigneur d'éternité en éternité. C'est la raison pour laquelle il m'a envoyé pour les adultères. Tu es une femme mariée, mais tu sors avec ton patron. Tu sors avec ton collègue de service. Tu travailles avec une servante, avec tu travailles quelque part. Ta patronne sort avec ton mari. Ma soeur, tu es au courant de cela, mais tu ne peux rien dire. Mais écoutez, le juste juge, il voit tout. Il a envoyé son serviteur pour dire à ceux qui vivent dans l'adultère, bientôt Jésus revient. Le ciel passera ainsi que la terre, mais la parole du Seigneur ne passera jamais. Dieu que je sers jugera les adultères et les débauchés. Tu sors avec la femme de ton patron. Tu sors avec la jeune sœur de ton épouse. Bien-aimé, nous sommes au dernier temps. Bien-aimé, le désir de la chair, c'est l'enfer. Nous devons, nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, être modèle ici-bas. La parole de Dieu déclare « Fuyez l'impudicité ». Il est encore écrit « Soyez saints comme notre Dieu est saint ». Vous savez ce que c'est être saint? C'est se séparer du mal. Oh bien-aimé, c'est possible avec l'assistance du Saint-Esprit. L'apôtre par excellence, apôtre Paul a dit « Seul je ne peux rien, mais avec le Saint-Esprit je puis tout ». Il est capable de te fortifier, de mener comme moi une vie de la chasteté. Exemple de souillir, être fidèle à Dieu, être fidèle à ta femme, c'est possible. Oh bien-aimé dans le Seigneur, bientôt Jésus revient. L'infidélité conjugale, Dieu déteste les infidèles. Dieu est le péché. Mais en ce moment, il m'envoie pour te dire, sois fidèle à ta femme, sois fidèle à ton mari. Voilà les messages prophétiques que le Seigneur m'a envoyé pour ce lundi. Nous allons nous retrouver le lundi prochain. Mais si tu as quelque chose, tu as trompé ta femme, ce n'est pas question d'aller voir le pasteur et dire que j'ai trompé ma femme ou mon mari. Après avoir dit à ton pasteur que tu as trompé ta femme, tu dois aussi dire à ta femme que j'étais trompé. Si tu as trompé ton mari, tu dois aussi dire à ton mari que j'étais trompé. C'est ça le pardon. La parole de Dieu déclare, le pardon c'est une puissance qui libère. Vous vivez dans l'adultère. Mais tu dis que tu aimes ta femme, mais tu embrasses d'autres femmes. Tu dis que tu aimes ton mari, tu embrasses d'autres hommes. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Bien-aimés, que la grâce de la chasteté vous soit accordée. Je le déclare et décrète au nom de Jésus. Fouillez l'impudicité, fouillez l'adultère. Bientôt, Jésus revient. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine, le lundi. Shalom. Oyena société ba société belé boyokanisa te tokoma na ba
foyer, na ba foyer nene moko, papa na maman dialogue sa te. Eko ma lobby, moi na bimi fase, a kiminda ku, moi na komi na balabala, moi na bon la na wenze. Pour nini, dialogue sa te na ba foyer. Komoni le lo mindele, ba sangana ki, ba sali ero. Mbo mwen komi makasi, pour na dialogue. Dialogue te sali, dollar, le lo te sala makasi. Dialogue te sali, le lo livre sterling, te sala makasi. Il y a un moment où le dialogue est nécessaire dans la vie d'Abisso. Dans tout ça, le dialogue est unitaire. Tcha tchiki tcha, Congo dialogue, Congo dialogue, Congo dialogue. Tout ça, bon, il y a un Congo dialogue, sérieux, tchiki.